spirituelle intense, marquée par des guérisons, des restaurations, des délivrances et des transformations. C'est l'expérience vécue par l'église d'Aboisseau qui a ainsi tenu sa 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales du 7 juillet au 5 août 2023. Sous la coordination du pasteur Théo Bernard, dirigeant régional des églises du Sud Comoé, rempli du Saint-Esprit, a conduit les saints, à travers des prières inspirées, à expérimenter de grandes victoires sur la maladie, les démons, l'opprobre, la pauvreté et bien d'autres. Et ce, durant les 30 jours. Ce qui a produit comme bilan de cette croisade plus de 360 témoignages, dont une cinquantaine de guérisons instantanées. Et il faut le signifier, ce bilan se résume à ce que les yeux ont vu, les oreilles ont entendu et les mains ont touché, sans compter ceux qui, pour des raisons liées au temps insuffisant, n'ont pas pu rendre témoignage. Et tout comme Abidjan, la croisade à Aboisseau se tenait chaque jour avec au programme la louange, les témoignages, le ministère des sémeurs, l'évangélisation, suivi de la prière d'intercession et de combat spirituel. Et ce samedi 5 août 2023, qui marquait l'apothéose de cette croisade à Aboisseau, c'est la patame pro Gustave qui a accueilli les plus de 600 participants de ce grand rendez-vous. Un programme final qui a tenu toutes ses promesses en termes de salut, de délivrance et de guérison. Et l'un des témoignages qui a marqué cette dernière session a été celui de la sœur Fofana, délivrée authentiquement de l'opprobre par le Seigneur Jésus à la suite des prières élevées à Dieu pendant cette croisade. Il faut dire qu'il y avait un problème. Problème, je ne sais pas comment expliquer le problème là-bas, ça fait 11. J'ai souffert comme ça pendant des années. C'est dans la croisade là. Je n'ai jamais entendu le nom du prophète. Je n'ai jamais entendu ce nom-là. La honte. Au pauvre. Je n'ai jamais entendu au pauvre. Si c'est pas avant que papa a dit le nom-là, je n'ai jamais entendu ce nom-là. C'était la honte. Depuis mon enfance, quand je suis à la maison comme ça, caca ne me sait pas. Pipi ne me sait pas. Mais une fois que je sors dehors, c'est là maintenant, caca me sait, je ne sais pas où aller. Souvent, je suis obligé de chier sur moi comme ça. C'était comme ça toute ma vie. C'était comme ça surtout quand j'ai grandi avec ça. Acclamons le Seigneur qui délivre de nos pauvres. Donc, c'était comme ça. Mais quand papa a dit cela, j'ai pris au cœur. J'ai commencé à prier. Mais malgré tout ça, là, c'était là. Mais je n'ai pas résisté ça. Il faut que je dorme dans la prière. Et je ne dors pas. Je prie pour ça. Cette larme n'a qu'à quitter, n'a qu'à me libérer. Je dis, je prisais sur mon cili. D'ici, elle me lever pour faire des pas. Puis là, ça vient. J'ai cherché des médicaments de gauche à droite. On m'a dit, c'est plein de ventes. Avant, j'étais couché là, j'ai commandé la prière. Je suis couché là, il y a une femme qui est sortie en bas de l'eau. C'est l'eau, petit haut comme ça, elle est sortie, elle est vieille, mais je n'ai pas vu le visage de la dame là. Elle était vieille. Elle a chié sur elle partout. Et je me suis approché. Il a dit, en bas, donc c'est toi, tu as mis cette honte là sur moi. Aujourd'hui là, c'est ton tour. C'est toi qui as mis la honte là sur moi. Je me suis promenée partout. Ça met la honte odeur de caca là sur moi. Donc c'est ton tout comme ça. C'est ton tout. Et il a dit comme ça, la dame là. Elle était abaissée comme ça. Il s'est dit, c'est moi maintenant, je vais rincer ton cul. Parce que pour moi, Jésus-Christ m'a délivré. Acclamation. C'est là quand j'ai dit comme ça, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, c'est là que j'ai compris que j'étais délivré de cette honte-là. Donc c'est ça, je suis là, merci. Oh, je suis devant de vous pour dire merci à Dieu qui délivre de la honte. Et depuis ce jour. Depuis ce jour, c'est fini. Acclamation. À l'instar de Fofana, plusieurs autres saints sont passés. Et à tour de rôle, ont plongé toute l'assemblée dans une célébration à l'éternel à travers leurs témoignages. Une célébration qui s'est poursuivie avec les sémeurs de l'église d'Aboisseau, qui, comme les 29 jours passés, ont en cette dernière session célébré le Seigneur, l'adoré, puis invité les perdus à rencontrer Jésus avec des chants à propos. Des paroles de vie chantées et soutenues par la suite avec la prédication de la parole de Dieu, où l'homme de Dieu, le pasteur Théo, a essentiellement concentré son message sur l'envoûtement,
la définissant comme un phénomène réel utilisé par les sorciers pour répandre les œuvres du diable dans leur vie. Ainsi, plusieurs sont devenus sorciers ou victimes de la sorcellerie à partir de l'envoûtement. Utilisant les passages d'Ézéchiel, le chapitre 13, les versets 18 à 23, et Nombre, le chapitre 22, le verset 1 à 6, il a révélé que plusieurs avenirs prometteurs ont été gâchés par la sorcellerie à travers l'envoûtement, appuyant ainsi ses dits par plusieurs exemples dans son propre cas. N'ayant pas pour but de faire l'apologie de l'envoûtement, il a annoncé par la suite la bonne nouvelle à l'assemblée selon laquelle Jésus est venu pour délivrer les hommes de l'envoûtement. L'homme de Dieu a ensuite défini les différents types de liens malsains qui peuvent être des portes ouvertes à la sorcellerie, à savoir les liens d'occultisme, les liens de conflit, les liens de famille, les liens sexuels et bien d'autres. Il a annoncé par la suite la bonne nouvelle à l'assemblée selon laquelle Jésus est venu pour délivrer les hommes de l'envoûtement. Il a ainsi donné l'autorité à l'Église à travers le Saint-Esprit qui a révélé le ministère du brisement des liens malsains comme une arme puissante pour faire sortir les hommes de la sorcellerie. Pour lui, quand le nouveau converti reçoit le ministère du brisement des liens malsains, le pouvoir de la sorcellerie est brisé dans sa vie. Un message d'espoir qui a convaincu les pécheurs à se donner à Jésus une fois l'appel lancé. Au total, ils étaient 58 âmes à se donner à Jésus, ce qui fait un total de 206 âmes gagnées durant cette croisade de 30 jours, dont 51 déjà baptisées. De toute évidence, les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales contribuent efficacement à la croissance qualitative et quantitative des églises. Poursuivant le programme de la session et en application au message, le pasteur Théo s'est appuyé sur la promesse du Seigneur dans Ézéchiel, le chapitre 13, le verset 23, où Dieu promet délivrer son peuple des mains de ses ennemis, conduit le peuple dans un moment intense de combat spirituel. Ainsi, les prières élevées à Dieu étaient essentiellement portées contre les œuvres des hommes méchants, des sorciers, des sectes qui s'opposent au progrès, contre les envoûtements, les prisons spirituelles, les maladies, les maris et femmes en esprit, clôturés par des prières de bénédiction. Des prières qui ont troublé le repos des démons, qui pour plusieurs sont sortis sans bruit, et pour ceux qui ont choisi la voie de la résistance, ont été chassés. C'est le cas de cette nouvelle âme qui venait de donner sa vie à Jésus et habitée par plusieurs esprits méchants qui ont été chassés par la puissance de Jésus. Voici ce qu'elle affirme après sa délivrance. Bon, moi, depuis que je suis née, concernant mes familles, n'adore pas Dieu. Donc c'est de là que je ne commence pas à partir à l'église. Mais je vais à l'église. Je suis chrétienne, mais je ne suis pas fidèle à Dieu. Donc quand papa dit qu'il veut se donner à Dieu, mais il y a longtemps, je me cherche à qui va me conduire dans la main de Dieu. Tu sais, quand tu es seul, tu n'arrives pas à prier. Tu pries un peu et puis tu tombes. Tu pries un peu, tu tombes. Parce que l'esprit qui est en toi, là, et puis tes familles n'est pas dans les chrétiennes. Donc c'est ça qui me fatigue. Moi-même, je sais qu'il y a un esprit, il vient même en face comme ça devant moi. Même avant hier, là, j'ai fait rêve. Les génies, là, ils sont venus manger dans ma main. Après ça, hier, là, j'ai fait rêve aussi. Avant hier, même chose. Quand papa a parlé, j'ai ressenti un esprit Dieu. Il y a une force à moi qui me dit aujourd'hui, là, il veut me libérer. Mais les gens, les pasteurs font prier, mais ça n'arrive pas. L'esprit là ne vient pas sur ma tête. Mais aujourd'hui, là, quand le pasteur a annoncé ça, c'est ça qui a mis ma tête. Quand il a mis, c'est comme c'est une furie qui vient à moi. C'est ça, je ne commence pas à crier. Puis les frères m'ont tiré pour venir prier avec moi. Une affirmation qui emmène à prendre au sérieux l'existence des démons et montre la réalité du combat spirituel et le ministère de délivrance. À l'instar de cette sœur, ce moment de combat spirituel a permis à plusieurs d'être délivrés et guéris. Dieu a été à l'œuvre dans cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Abouasso, comme dans les autres localités du Sud Comoué, où s'est tenue simultanément la croisade, comme en témoigne ici le pasteur Théo, qui exprime sa gratitude au Seigneur et dont la bouche ne désemplit pas de témoignages. Je voulais rendre grâce à Dieu pour cette croisade
de renversement des principautés personnelles et familiales qui s'est déroulé à Boisseau cette année 2023, il faut dire que ça a été une grande faveur de Dieu. Je vais même anticiper déjà pour dire que moi-même, dans mes 10 sujets de prière que j'ai élevés au Seigneur, le premier des 10 sujets était que Dieu m'accorde la grâce de terminer la croisade. Parce que je suis tombé gravement malade avant la croisade, de manière que je n'espérais même pas pouvoir vivre même, je vous dis la vérité. J'avais mal partout, mes yeux, je ne pouvais pas lire, mon corps. J'ai fait la première semaine sans jeûner. J'ai dû me faire violence moi-même pour entrer dans le jeûne. Et Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a délivré. Ça a été vraiment une faveur de Dieu que j'ai fait cette croisade et que je l'ai terminée. Je voulais d'abord dire merci à Dieu pour cette croisade. La deuxième chose, c'est que la croisade des renversements des principautés personnelles, c'est une révélation qui vient de Dieu. Et nous sommes dans l'obligation d'obéir à ce que Dieu veut. Quand je me souviens de ce que le pasteur Meunier disait, il dit que quand Dieu donne un peuple à un serviteur, Dieu lui accorde des révélations parce que le peuple aura des besoins. Et c'est ce qui se passe effectivement. Personne ne doit se dérober devant ce ministère-là. Parce que nous avons vu des merveilles de Dieu. Des frères soulards, enfermés dans le ventre des reptiles, qui sont sortis de ces ventres des reptiles. Vous venez de voir le témoignage d'une sœur qui faisait les selles et faisait les urines sur elle. Une maman qui fait les selles et les urines sur elle, en pleine journée dans les foules. Je voulais aussi rendre grâce à Dieu pour la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales qui a été observée dans la quasi-totalité de nos assemblées dans le sud du Koumoué. Il y en a eu à Bassam, il y en a eu à Bonoa, il y en a eu à Diaké. Nous avons 16 zones et pratiquement toutes les 16 zones ont fait la croisade partant de 15 jours jusqu'à 30 jours. Mais il y a une méthode révolutionnaire, parce que nous avions par le temps planifié de faire 3 caravanes d'implantation cette année. Et la deuxième caravane d'implantation se situe juste après notre croisade. Donc d'ici le début du mois de septembre, nous devons faire la deuxième caravane. Un frère, un missionnaire parmi nous, a décidé d'implanter une assemblée dans sa zone. Et il a commencé la croisade dans cette localité. Ils sont allés, ils ont fait 7 jours là-bas de renversement des principautés avant de commencer même dans sa propre localité. Ils ont baptisé 15 personnes. C'est-à-dire qu'il a déjà assuré même l'assemblée qui doit être implantée. Et c'est très révolutionnaire. Et je pense que quand nous allons terminer la croisade pour la dernière caravane de décembre, nous allons investir des localités ciblées pour qu'une croisade soit faite là-bas allant de 7 jours à 14 jours, de sorte que quand cette croisade prend fin, les assemblées sont implantées. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus qui bénit la foi de ses enfants et ce qu'il accomplit à Abidjan, il le fait aussi à Boisseau comme ailleurs. À la fin de ces 30 jours de la croisade, quelques saints ont partagé leur totale satisfaction et leur reconnaissance au Dieu qui guérit, bénit, délivre et transforme. Et pendant les 30 jours du renversement des principautés personnelles et familiales, vraiment nous étions confrontés à des démons, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu chasser les démons et il y a eu beaucoup de délivrances. En tout cas, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Nous ne sommes pas allés au-delà des 23h minuit parce que le Seigneur était avec nous et les délivrances étaient authentiques. 30 jours de bénédiction. Et il faut dire qu'au départ, nous avons des appréhensions, mais notre Dieu est très grand, notre Dieu est merveilleux. Et notre Dieu s'est glorifié au travers de ce renversement des principautés. Nous avons vu des miracles et des prodiges s'accomplir tout le long de ce renversement des principautés personnelles et familiales. Des témoignages édifiants qui nous ont démontré que notre Dieu a travaillé et notre Dieu a délivré des âmes. Et j'en veux pour preuve la sœur qui a été délivrée de l'opprobre. Véritablement, c'est un témoignage parmi tant d'autres et qui nous a vraiment édifiés. Il faut dire que cette croisade-là a été vraiment bénéfique pour beaucoup d'entre nous. Et je crois qu'au sorti de cette croisade-là, beaucoup de frères et de sœurs verront la gloire de la main de Dieu encore continuer dans leur vie.
Et nous croyons que cette délivrance-là, c'est Dieu ce qui l'opère. Il faut dire que cette croisade nous a beaucoup fait du bien. Parce que quand on voit les témoignages, les guérisons instantanées, les bénédictions que Dieu nous a accordées, nous voyons que vraiment cette croisade a été bénéfique pour nous. Et vous avez entendu que ce jour même, quand je venais, j'avais mal à la poignée, au poignet gauche. Et pendant cette prière-là, Dieu a permis que je sois instantanément guéri. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour cette croisade qu'il a instituée, qui a permis vraiment de bénir son peuple dans le Sud-Koumoué.